Le membre du bureau politique du premier siège du 4e arrondissement, Christine Mba Ndoutoum, épouse Mindou, a organisé à sa permanence politique d'Awenje, le samedi 31 décembre 2022, un arbre de Noël placé sous le haut parrainage du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba. Cet arbre de Noël en différé était destiné aux enfants du premier siège du 4e arrondissement et aux associations qui soutiennent la politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba dans cette circonscription. Cette cérémonie a vu la présence de quelques autorités politiques du Parti démocratique gabonais, entre autres Axel Jason Ayenoué, délégué UJPDG, Christophe Mbanzi, secrétaire provincial, le nouveau chancelier du Parti démocratique gabonais, Jean-Jacques Kangé, et le membre du bureau politique du deuxième siège du 4e arrondissement, Issa Malam Salatou. Dans son allocution de circonstance, le membre du bureau politique, Christine Mba Ndoutoum, épouse Mindou, a justifié son action en faveur des enfants. Chers parents, chers enfants, mes chers compatriotes, j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver avec vous à cette esplanade jouxtant notre QG, autour de cet arbre de Noël au terme de cette année 2022, pour le bonheur de nos enfants, des Akébé, des Awenje, de Gabon Store, de Taroba, de Bellevue. Il y a aussi les associations qui soutiennent la politique du distingué camarade président et d'autres localités qui sont aussi ici. Il s'agit d'un moment particulier, d'une solennité sans égale, d'égayer nos enfants à l'instar des autres du monde. Au-delà du rituel, bien loin des exigences consignées dans la charte des droits de l'enfant, en plein accord avec le principe de partage insufflé par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Ce geste sort tout droit de mon cœur de mère pour ces enfants que j'aime, pour lesquels je forme des vœux porteurs d'espoir pour l'année nouvelle. Il faut souligner que cette cérémonie s'est déroulée en deux phases. La première pour les enfants. À cet effet, les cadeaux ont été remis par les autorités politiques du Parti démocratique gabonais. Christine Mba Ndoutoum a ouvert cette séance. La deuxième phase était en faveur des associations qui soutiennent la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Au total, une vingtaine. La coordinatrice d'une de ces associations, Jolie Petula Atsam du Kojal, a livré son sentiment. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir percevoir les cadeaux durant cet événement de Noël. Donc nous remercions vraiment le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba qui par son canal a bien su vraiment donner une joie au cœur des enfants. Une autre réaction est celle de la représentante des enfants. Oui, je suis très contente et puis je remercie le président Ali Bongo Ondimba de nous avoir donné des cadeaux. Rappelons aussi que la manifestation a été agrémentée de danses et chants de Noël et que ces cadeaux sont un don du distingué camarade Ali Bongo Ondimba.